de toute chose, c'est quoi ? Comme l'essence dans une voiture, si tu mets de la mauvaise essence, ça ne va pas bien rouler. Mmh. Et bien, si on met du feu dans notre estomac, on donne du feu dans l'estomac de nos frères et de nos sœurs, ben, ça ne va pas marcher bien. Sushi, voilà, ou un pizza, et la franchise, elle est halal, donc il va le manger. Une pizza, pardon. Oui, excuse-moi. Un pizza ? C'est moi le blédard, c'est pas toi. On est des consommateurs de viande. On aime la viande. Il y a même des problèmes de famille quand il n'y a pas de viande. On entend les mamans. En plus, il n'y a pas de viande. Tu vois, c'est devenu un problème pour familial. Les invités. Voilà. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, les frères et sœurs, et que vous prenez bien soin de vous et de votre foi. Nous sommes bien sur Jala TV en compagnie de mon frère Karim, que je vais laisser se présenter. Assalamu alaikum, votre frère Karim, 30 ans. Speaker sur Instagram et rien d'autre. Salam alaikum, moi c'est Younes de Jana Télévision, je pense que vous me connaissez un petit peu et j'espère que vous aurez l'occasion de me connaître un peu plus. Et aujourd'hui on a l'honneur de recevoir qui, Ali? Je vais laisser le présenter, ça continue, bismillah. Salam alaikum, moi chef Hassan. Hein. Bon, on me connaît un peu dans la communauté pour mes folies culinaires. Donc je suis un mec du 93, Tremblay, parisien, banlieusard. Anciennement Larsen, pour ceux qui me connaissent, on avait fait une magnifique vidéo avec Jenna TV. Et aujourd'hui, ben, je suis revenu à mes premiers amours, la cuisine, ma première passion, la cuisine. Et puis, je suis heureux d'être parmi vous, en tout cas, les frères. Ça fait plaisir. Ça fait tout plaisir pour nous. Quel âge, Larsen? Pourquoi tu veux ça, mon âge? Je mets du henna dans ma barbe. Il a tout dit, il n'a pas dit son âge. Je mets du henna dans ma barbe, hein, pour pas que ça se voit. Laisse-le, il est jeune, machallah. Ah, presque la quarantaine. Presque la quarantaine. Alors, là, effectivement, Hassan, il vient de loin. On a fait une vidéo sur Jana Télévision qui a été un véritable succès, qui a même été la cause de, enfin, la raison plutôt que la cause du repentir de beaucoup de frères et de retour à l'islam. Alhamdoulilah, ça a été une très belle petite victoire pour nous sur Jana TV. Et je tenais à te remercier en tête à tête. Eh ben, alhamdoulilah, puis je vous remercie de m'avoir donné cette tribune. Ça faisait un moment que tu voulais la faire. C'est venu en temps voulu et Inch'Allah, on continuera d'essayer d'être quelque chose de positif pour la communauté, Inch'Allah. Alhamdoulilah, barakallahu fik. Donc ce soir, on est là ce soir pour justement parler de la viande halal, si j'ai pas de bêtises. Hein. Oui, ouais, bien sûr. Pour mettre les pieds dans le plat. C'est un sujet important. Moi, en tant que co-converti, c'est vrai qu'on m'a mis plein de règles, enfin des choses à suivre. Et la viande halal, pour moi, je pense que c'est un sujet banalisé. En tout cas, je donne mon avis perso. Je vois plein de frères de ma génération, même d'en dessous, hein, qui mangent plus halal parce qu'au final, ils ne sont pas forcément concernés. Et je pense que voilà, faudra en parler ce soir. Et je pense que Larsen, il est bien placé vu que t'es dans le domaine de la cuisine. En tant que chef cuisinier, oui. En tant que personne qui doit faire attention, car c'est une amana. C'est une amana de donner à manger, même si je bosse beaucoup à l'étranger aussi, notamment au Maroc où la viande est halal. Sur le sujet aujourd'hui, j'ai été ambassadeur du certificateur HADA qui a fait un très grand travail et puis un grand salam à tous les certificateurs qui font du boulot. Aujourd'hui, je suis ambassadeur et je suis aussi chargé de com chez À l'Origine, qui est un nouveau label du certificateur qui a été une sorte de prise de conscience de plusieurs frères qui se sont dit, voilà, aujourd'hui on est des businessmen, mais avant tout on est des musulmans, on va penser à notre communauté. Donc voilà. Une amana, c'est quoi pour les convertis qui nous écoutent? Les quoi, tu m'as dit? Une amana. Une amana c'est comme un dépôt. C'est-à-dire, c'est une chose qui est très importante. C'est comme si tu étais pris d'une. Comment on appelle ça? D'un dépôt. C'est une responsabilité. Voilà. C'est une responsabilité. C'est une chose, voilà. Moi, je mange pas halal, ça me regarde moi. Mais si je fais manger les gens pas halal, là, c'est autre chose. Exactement. Tu vois, donc c'est vraiment une chose qu'on doit vraiment prendre en compte. Et je vais dire une chose. Moi, en tant que musulman, la base de toute chose, c'est quoi? Comme l'essence dans une voiture, si tu mets de la mauvaise essence, ça va pas bien rouler. Mmh. Et ben, si on met du feu dans notre estomac, on donne du feu dans l'estomac de nos frères et de nos sœurs, ben, ça va pas marcher bien. Donc en fait, là, t'as directement extrapolé le hadith. Celui qui ne fait pas attention à ce qu'il mange, ça peut être du feu dans son ventre le jour dernier. Non. Donc si on ne mange pas des choses qui sont clairement sains et halal, c'est le danger que ça peut porter pour nous qui croyons, bien évidemment, en l'islam. Bien sûr. Après, libre à chacun dans ce pays de croire en ce qu'il veut. Mmh. Et donc du coup, par contre, de l'autre côté, va se placer aussi la question du curseur. Parce qu'en France, je pense, c'est le but, ce n'est pas d'entrer dans un débat religieux, oui, est-ce que c'est...
Est-ce que c'est halal de manger ça, la viande de grenouille, est-ce qu'elle est halal ou pas? Les cuisses de lapin, les haricots, les escargots, pardon, les haricots. Ouais. Les dinosaures, les dragons. Ah, la hyène est halal, tu savais. La hyène est halal. La hyène est halal. Je sais pas, Inch'Allah, tu regarderas. Je sais que la viande de chameau, elle est halal. Oui. Et à Médine, elle est bonne en plus. Donc ouais, j'ai eu la chance d'en goûter. C'est très bon, ça ressemble au bœuf pour ceux qui connaissent pas. Ça ressemble, ouais, c'est un peu plus fort. Ouais. Ouais, un petit peu plus fort. Il y a un frère qui m'avait dit justement une fois, la viande de kangourou, c'est bon. C'est un frère, tu vois, qui a fait tauba. Et je lui dis, mais comment tu sais? Il m'a dit, bah, j'en ai mangé. Je lui dis, t'en as mangé où? Il m'a dit, en Italie. Je lui dis, le restaurant était halal. Il m'a dit, pose pas trop de questions. Tu vois, il y a des gens, ils ont goûté des viandes. Bien sûr. Voilà, faut pas trop poser de questions. Ouais, ouais. Moi, j'ai une question pour toi, Younes, ouais. Dans un premier temps, et ensuite, on va interviewer l'invité principal. Pourquoi le sujet du halal? En fait, il y a tellement de raisons à ce sujet. En fait, ce sujet, déjà, on va essayer de l'aborder sous tous les volets. On va y inviter des imams, Inch'Allah, avec le sponsor d'À l'origine, Alhamdoulilah, qui nous font l'honneur de participer avec nous. Il y aura plusieurs vidéos, ça veut dire, en fait. On va essayer de faire plusieurs contenus. Justement, le but, c'est même de collaborer avec le public pour vraiment parler de ce problème. Et comme a dit Ali, en fait, on va mettre les pieds dans le plat. D'accord. Dans le plat dans lequel il y a de la viande, est-ce qu'elle est halal ou pas, c'est ce qu'on va voir. En fait, c'est aussi un marché trop puissant. Tout à l'heure, on en parlait avec Hassan. On parle de plusieurs milliards d'euros. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros, de millions sur de gens. Sur le territoire français. Sur le territoire français. Hein. Milliards sur le territoire français. Ouais, des milliards d'euros. On ne s'en rend pas compte. Ouais. On parle de dizaines de millions de gens qui mangent halal en France. Et en fait, le truc, c'est est-ce que nous, les musulmans, qui avons apporté cette plus-value à la France, parce qu'on parle de presque 30% de la population française qui mange de la viande halal. Un Français sur trois mange de la viande halal. Qu'il le veuille ou non, parce que parfois il va commander sur Uber Eats un grec ou un geladal ou un poulet ou un sushi, voilà, ou un pizza, et la franchise elle est halal, donc il va le manger. Une pizza, pardon. Oui, excuse-moi. Un pizza. C'est moi le blédard, c'est pas toi. Chef n'est pas content. Effectivement. Et qui a le monopole de ça, du coup? Justement, c'est de parler de qui a le monopole, qu'est-ce qui est fait. Nous, on a apporté le halal en France, et en fait, on a juste apporté le nom et l'idée globale. Mais est-ce qu'on gère les process? Est-ce qu'on sait réellement ce que ça représente? Est-ce que ça a un impact sur l'économie? En plus de ça, l'idée, c'est même de pousser le bouchon un peu plus loin. Le halal, il est intrinsèquement lié à l'écologie. Pourquoi? Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il mentionne le mot halal, il rajoute un autre mot à côté. Il dit halal un tayyiba. Un halal qui est sain, pur. Et là, maintenant, le sain, et ça y est, bien évidemment, souvent, on l'appelle le bio. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, pour l'anecdote, ça, je pense que si jamais on a la chance d'inviter Karim Aïch, je pourrai en parler plus en détail. Mais tu sais que tu n'as pas le droit de mettre bio et halal sur un produit. Pourquoi? Parce que le halal est déjà bio? Non, c'est le bio qui te l'interdit. Ah ouais? C'est le... Dans la charte du bio, en fait, tu n'as pas le droit de mettre halal. Exactement. Okay. Mais tu vois, il y a tellement de choses. Déjà, premièrement, il faut que... Tu vois, c'est comme le disaient la plupart des grands penseurs, il faut que la masse, elle prenne conscience de certaines problématiques. Et au-delà des problématiques, elle comprenne certains enjeux. Et là, c'est un enjeu à la fois social, sociétal, économique, culturel, rituel. Il y a tellement de choses dans la viande. Après, il faut... C'est tout, tu vois, la viande. On en mange tous les jours. On a tous des contacts avec ce truc. Et on ne sait pas réellement, tu vois, on achète un produit, on va le déballer, on va acheter un cachet à 2 euros. Ouais. On pense qu'on a fait une belle promo parce que c'est un produit. Mais qui peut te produire en 2022 un produit de 200 grammes à 2 euros de viande? C'est de la bête animale. C'est de la viande vivante. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'objectif, ben, c'est d'ouvrir un petit peu le bal là-dessus, de parler de toutes ces thématiques. Pour notre communauté, pour les gens, même pour les gens d'autres communautés qui mangent du halal, exactement, par souci, justement, de confiance. Exactement. Et aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a délaissé, alors que c'est la base. On mange. Tu te lèves le matin, tu manges. Le midi, tu manges. Le soir, tu manges. Et surtout qu'on est les plus gros consommateurs de viande. Le problème, c'est... Le musulman consomme. Aujourd'hui, moi, je travaille pour différentes classes sociales, différentes origines, différentes religions. Je peux vous dire que nous, on est ceux qui mangeons le plus la viande. Donc aujourd'hui, il faut penser à vraiment... Il y a des cycles. Il y a des cycles. Et là, on arrive dans un renouveau, dans le halal, où les gens commencent à se poser des questions. Certains ne se posent pas de questions. Parce qu'ils voient, halal, c'est halal. J'y vais. Je vais pas prendre, moi. C'est nous qu'on a la responsabilité. Quand je dis nous, c'est moi en tant que chef cuisinier, les producteurs, les industriels et les certificateurs. Exactement. Donc aujourd'hui, nous, on est là. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y en a certains qui essayent de revenir à la base de cette chose du halal. Au départ, c'est quelque chose de magnifique, ce qu'on pense à notre communauté. C'est quoi la base? Mais après, la base, c'est de penser à ton frère. Pensez à ta soeur, pensez à ton enfant, à tes parents.
C'est cette base-là. Plus au porte-monnaie, plus à l'économie que ça génère. Ouais, c'est des milliards d'euros. C'est normal, tout le monde veut sa part du gâteau. Mais comme tout à l'heure, il le disait en off, Younes, peut-être que c'est un business même qui pourra nous aider à faire du rire derrière. Au lieu de que ça fasse du rire, car certaines élites, certaines personnes, qu'on profite. Et peut-être que même là, ça se simplifiera. Et que même certaines personnes qui sont aujourd'hui malheureusement ou malencontreusement mal intentionnées, ou Shaitan, il a joué avec eux et qui leur fait penser qu'à leur poche et qui font certaines erreurs. Moi, je ne leur jette pas la pierre, parce que moi-même, je ne peux pas prendre cette grosse responsabilité de la certification, parce que c'est quelque chose, c'est un manade de malade. Mais peut-être ça leur faire prendre conscience. Et peut-être qu'on peut être la cause avec ces émissions et avec les intervenants. Genre, tu vois, c'est de faire prendre conscience certaines personnes. Venez, on revient à la base, les frérots. Arrêtez de penser au conflit d'intérêts. Arrêtez de penser à lui si je ne lui fais pas, l'autre, je lui fais, l'autre, comme c'est mon plus gros client, je ne pourrais pas. Non, venez, on arrête, les frères. Parce qu'à la base, on pense à nos frères, nos soeurs qui vont manger. C'est ça la chose. C'est ça quand je suis de revenir à la base. Moi, je pense à toi, je pense à toi. Je pense tout à l'heure, il a souligné une chose aux convertis. Les convertis, ils arrivent dans une religion, ils ne connaissent pas les règles, ils ne savent pas. Ils sont là, on leur dit du jour au lendemain, bon, bah t'arrêtes Fleury Michon, mais Fleury Michon Halal, t'as le droit. Mais pourquoi tu n'as pas le droit de manger du Fleury Michon Halal ? C'est leur expliquer. Mais sans faire de lobbying et vraiment de revenir à une certaine sincérité. Allez, ikhlas. Qu'on vienne une certaine sincérité dans ce domaine-là. Et surtout, ouais, faire comprendre les limites aux gens. En fait. Comme tu as dit, un converti, à quel moment on doit lui parler de ces choses-là ? Est-ce que Meskine, dès qu'il arrive, il faut qu'il se batte avec ses parents pour ne plus manger avec eux, qu'il fasse la guerre à sa mère ? Est-ce que ça fait partie des prérogatives ? Moi, une fois, par exemple, tu vois, je parlais avec un Français, c'était une discussion naturelle, tu vois. Et il en est arrivé lui-même à me poser des questions sur l'islam. Ouais, pourquoi votre religion, etc. Et tout. Je lui explique, voilà, nous d'abord, c'est une croyance, on croit en Dieu, etc. Et, tout. Et il me dit, ouais, mais de toute façon, en fait, il a été convaincu par tout ce que je lui ai apporté. Tu vois, il me dit, ouais, mais de toute façon, moi, je pourrais jamais devenir musulman parce que j'aime trop le cochon. T'imagines ou pas ? En fait, la viande, tous ces trucs, c'est même rentré dans la mystification de la conception qu'on a de l'islam en France. Ça s'arrête à ça. Mmh. T'as même des gens, qu'Allah les guide, tu vois, ils vont faire des péchés du matin jusqu'au soir. Tous. Et peut-être même du matin jusqu'au matin. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et il va rentrer dans un resto. Excuse-moi, c'est halal, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bien sûr, c'est certifié. Ouais, ouais c'est voilà. Bah, c'est comme il y en a qui vont boire de l'alcool et pas manger de porc. Exactement. Tu vois, c'est un truc. C'est y a, comme tu as dit, il y a un truc spécial sur ça. Exactement. Tu vois, nous, on va dire sur la France, tu vois, on va parler, parce qu'on va aussi parler aussi des provinciaux et un peu en extérieur. Sur Paris, des villes comme Paris, Lyon, c'est vraiment. Il y a une vraie recherche du vrai halal. Tu vois, après, en extérieur, ça commence. Moi, je sais, je reçois des messages de la zone toute frontalière de la Suisse, par exemple, du sud-est, sud-ouest, nord-ouest, où il n'y a pas, c'est pas beaucoup développé, les gens qui essayent vraiment de manger halal, du vrai halal. Parce que les gens vont dire, ouais, mais on ne comprend pas, ils parlent de vrai halal, faux halal, c'est quoi ça ? Parce qu'il y a, on parlera plus techniquement avec des gens qui seront vraiment qui connaissent le sujet, sur voilà, les différentes choses de qu'est-ce que du vrai halal, la VSM, le halabadère, l'électronarcose, le gazage de volaille, le bovin, les ovins. Ça, c'est des choses plus techniques et c'est à ça qu'à vont servir les émissions que vous allez faire. Et surtout, en fait, on n'a pas vocation à être des moralisateurs. Vous savez, par exemple, j'ai parlé des gens de Saken, ils mangent. Ils cherchent si c'est halal ou pas, tout en commettant des péchés. En fait, nous, notre but, c'est pas de donner des leçons ou de dire aux gens, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Notre but, c'est simplement de parler d'un fait. Voilà ce que Dieu dit, voilà ce que la religion elle dit, voilà ce qu'on doit mettre en pratique, voilà ce qu'il met en pratique et ce qu'il n'est pas. Après, le reste, libre à chacun de choisir. Ouais. Mais au moins, que les gens sachent. Et d'accord s'intéressent aussi. Voilà, exact. C'est juste d'accord. D'éveiller les consciences, de faire comprendre aux gens qui vivent dans un monde et que. En fait, le steak qu'il y a dans leur burger, il n'est pas arrivé comme ça par hasard. Et s'il a été estampillé halal, c'est peut-être un mec qui s'est levé à 3 heures du matin, qui a fait je ne sais pas combien de kilomètres pour aller voir, qui s'est battu avec le mec à l'abattoir. C'est peut-être qu'on a refourgué une bête d'une autre communauté parce que l'autre communauté ne l'a pas voulu, parce qu'elle ne respectait pas ses standards à elle. Et on a dit, vas-y, on va donner ça aux musulmans parce qu'ils mangent n'importe quoi. C'est peut-être parce qu'on a donné sur certaines bêtes les derniers quartiles, là où il y a moins de bénéfices, parce qu'on sait qu'on mange n'importe quoi chez nous. C'est toutes ces questions pour qu'on soit réellement. En fait, conscient de ce qu'on fait. Et aussi, bah, pour la petite anecdote, l'idée, c'est aussi de se dire, en fait, comme tu as parlé de carburant tout à l'heure en off, tu vois un véhicule, si tu lui mets une mauvaise essence ou un mauvais carburant... Je ne suis pas sûr, hein. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il l'a déjà dit.
Ah, tu vas pas dire en off. Non, je l'ai dit dans la vidéo. C'est la fatigue. T'étais sur le portable, je crois. À mon avis, c'est que c'est moi-même qui est sur un mauvais carburant. Tu vois quoi, là, je dis. Qu'est-ce que t'as mangé? J'ai mangé avec Karim. C'est la digestion, la digestion. Mon frère Younes, si tu me permets, ouais. Moi, je voudrais juste poser une seule question au chef Hassan, puisqu'on a affaire à un chef, on a la chance de l'avoir ce soir avec nous, parmi nous, et ensuite donner la parole à mon frère Ali. Chef Hassan, oui. On est des consommateurs de viande. On aime la viande. Il y a même des problèmes de famille quand il n'y a pas de viande. On entend les mamans, en plus, il n'y a pas de viande, tu vois. C'est devenu un problème pour familial. Les invités. Voilà. Exactement. Donc, ça tourne beaucoup autour de la viande. Mais, chef Hassan, est-ce que trop de viande, c'est bon pour la santé ou est-ce que c'est nocif pour la santé? Ah non, c'est pas bon pour la santé, surtout les viandes rouges, etc. Ça, on le sait, ça a été prouvé, il y a eu des choses, voilà. Après, nous, aujourd'hui, dans notre culture, c'est quoi? J'ai pu lire le livre « L'ultime joyau de la prophétie », qui est la biographie du prophète Assad Salem, où on explique que même dans la période anté-islamique, chez les Arabes, quand ils étaient tellement d'un accueil magnifique envers les étrangers, que la seule bête qu'ils avaient pour montrer leur accueil, il a sacrifié. Ouais, pour montrer la viande à quel point elle a une importance dans notre communauté. Maintenant, bien sûr, on le sait, manger trop de viande, ça tue la viande. Ça tue notre viande d'ailleurs, ça tue notre cœur, ça tue notre corps, ça rend malade. Bien sûr, tu sais, même en restauration, en gastronomie française, moi j'ai eu la chance d'étudier. Pour ceux qui ne savent pas, tiens, une petite exclusivité, puisque beaucoup pensent que je suis devenu chef après ma carrière, entre guillemets, qui était un peu égaré. Mais j'ai commencé, moi, la cuisine à l'âge de 14 ans. 14 ans, j'ai commencé. Ma première passion, c'est la cuisine. J'ai eu le bonheur de pouvoir avoir une bonne formation, d'avoir des diplômes, d'être dans des grandes maisons, d'avoir un grand chef, je lui dédicace, hein, monsieur Laurent Delcros. Et donc, après, je suis revenu à mon première passion. Et nous, aujourd'hui, tu sais, par exemple, quand tu sers une assiette, il y a des grammages. Sur la viande blanche, tu as un grammage à respecter. Sur la viande rouge, c'est ça qui est le problème. Mais tu sais, ça, je le vis en étant au Maghreb. Par exemple, on va être sur une portion, un filet de bœuf en France où tu ne dois pas dépasser entre 120-140 grammes maximum. Non, au bled, il faut mettre 200 grammes, frère. Sinon, les gens ils vont rigoler, ils vont dire, tu fous nous, quoi. C'est vrai, c'est véridique. Hein. Alors qu'elle coûte plus cher la viande, au prix de revient et au prix de revient de ton plat, tu gagnes moins d'argent. Donc, la balance, elle n'est pas équitable. Donc, aujourd'hui, non, il y a même des grammages. Le poisson. La viande blanche, la viande rouge, il y a des choses à respecter dans mon travail. Maintenant, aujourd'hui, bien sûr que manger trop de viande, ce n'est pas bon. Ça, c'est connu. Moi, il y a une chose que je vais souligner. Tu sais, moi, en tant que chef cuisinier qui est ambassadeur un peu sur les OCDH et qui travaille depuis un petit moment avec le monde du halal, je ne connais pas tout encore, c'est pour ça qu'il faudra amener des intervenants. La première, vous savez, c'est quoi la première question qui me vient de ma communauté? Quelle est, à votre avis, la première question qui vient, moi, sur mon Instagram ou des gens qui me suivent? C'est halal. Non. Parce que c'est... Non. Quelle est la première question qui te viendrait, toi, en tant que bon musulman? Il y a combien de viande? Non. Je sais pas. C'est du steak? L'origine et la santé de l'animal. Donc, moi, j'ai souligné cette chose-là, ouais. Qui est un peu tabou. Dans ce domaine, parce que... Élevé en plein air ou pas, on va pas rêver, tu peux pas nourrir des milliards des musulmans avec que de la bête de voilà qui a une bonne hygiène de vie, tu vois, j'en perds mes mots. Donc mais la première question, ce n'est pas est-ce que c'est halal, comment on reconnaît le halal, ça, c'est une question que quel est le vrai halal que la communauté me pose, c'est est-ce que la bête était en bonne santé, est-ce qu'on a pris soin d'elle? Mais toi, tu es incapable de répondre à cette question? Mais non! Oui, sur une bête que je sais qui a eu un suivi. Tu sais, maintenant, il y a même des gens qui veulent suivre les bêtes avec la blockchain. Parce que la blockchain est infalsifiable. Ouais. Donc, de estampiller, de tatouer une bête et de la faire suivre. Par exemple, moi, demain, j'achète un super bovin de race, et un angus ou un bœuf de Kobe que j'ai trouvé en Espagne, vraiment bien, bien éduqué, en plein air et tout ça, et je veux la vendre. Si je la rentre dans la blockchain et je suis toute son évolution, son engraissage et tout ça, je serai la bête scabo. Un crypto steak. Voilà, exactement. Mais c'est ça aujourd'hui. C'est là où on en arrive. Ouais. Pourquoi? Parce que les gens cherchent aussi. Après, il y a toute une population qui aujourd'hui a tellement de soucis. Et actuellement, avec ce qu'on est en train de nous mettre, surtout en France, où les gens ils s'en foutent maintenant. Ouais. Moi, j'ai même des restaurateurs qui me disent, c'est quoi, il me faut le moins cher, frère. Ah, il me faut le moins cher, là, le gaz, l'électricité, ça va monter. Donc, frérot, déjà qu'avant, ils ne cherchaient pas la qualité. C'est une chose qui est voilà. Ouais. Donc, en vérité. Là, c'est bien, je rebondis sur ça, après, je vous laisse parler, parce que c'est très intéressant. C'est là où moi, je me suis dit une chose, j'ai réfléchi, moi, en tant que musulman, en tant que chef cuisinier, en tant que personne qui essaye d'être conscient, je me dis, en réalité, il faut diminuer notre consommation de viande.
Et là, on va m'en vouloir. Et là, même certaines personnes ou certains fabricants vont dire, qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais en vérité, si vous voulez manger vraiment de la viande saine, diminuez votre budget, achetez de la bonne viande. Et là, ouais, on pourra. De qualité. C'est la seule réponse que j'ai trouvée, moi, à ces gens qui me posent cette question. Ouais, c'est-à-dire... Et c'est la première question qu'on me pose. Moi, je trouve, dans tous les cas, je peux revenir sur ce que tu dis, c'est vrai que, de manière même générale, sans parler que de la viande, on est dans la surconsommation. Je trouve, personnellement, que ce soit sur les réseaux, le téléphone, bref, plein de sujets où on est dans la surconsommation. Moi, j'avais une question, parce que tu dis qu'il faut peut-être réduire. Après, chacun est différent, chacun a son quotidien de vie, mais sur une semaine, hebdomadaire, faut pas dépasser combien de plats où on mange de la viande. Alors, moi, je suis pas diététicien. Tu vois, si t'es dans un régime hyper protéiné, que t'as de l'argent et que tu veux te faire des muscles en béton et que tu as un programme sportif et que t'as un taux de calories que vraiment tu vas éliminer, d'accord, tu peux manger surtout les viandes blanches. Après, tu sais, il y a la carminine qui est dans la viande rouge, qui est très intéressant sur le transport justement, je crois, des sucres ou des graisses qui les éliminent plus vite. Mais après, on sait très bien que si tu vas manger, après ça dépend quelle viande tu manges. Si tu manges un filet, un Chateaubriand, il y a pas beaucoup de graisse dedans, et tu manges entrecôte et que tu me tabasses tout le gras qui est autour, c'est pas pareil. Ouais, c'est si tu manges une charcuterie remplie de sel nitrité et de... Non, ça n'a rien à voir. C'est la qualité, encore, on revient à ça. Mais après, oui, il faut diminuer. Il vaut mieux manger. Il faut équilibrer, après, ne pas manger de viande du tout. Ça n'a pas prouvé aussi que c'était aussi sain pour la santé, frère. Parce qu'après, on revient en Coran, ou Allah, il nous parle des bêtes que l'on doit consommer et tout ça. Si c'était vraiment mauvais, ça nous serait interdit. Tu vois, après, aujourd'hui, avec tous les piqûres qu'ils ont, les trucs qu'ils ont. Tout à l'heure, tu as souligné une chose que moi, j'ai entendu plusieurs fois, que les bêtes qui sont interdites à certaines communautés sont refourguées aux musulmans. Ouais, ça, c'est un fait. Sans pitié. Et comme on est dans une soif d'argent et de trucs, de toute façon, ce sera du steak haché au final. Qui va finir sur une plaque même, de snack. Même dans les faits divers, malheureusement, les gens font pas attention. Il y a beaucoup de scandales avec des boucheries, certaines qui vendent de la viande même morte. Ouais. Et dans un département, je vais pas le citer, récemment, il y a eu un scandale parce qu'il y a une... Bon, c'est dans le 95. Non, c'était pas le 95. Du foie halal, c'était ça, non? Je crois que de la viande morte. De la viande morte. Elle n'est pas halal. C'est-à-dire que la bête... La pas viande morte n'est pas halal. Exactement. Ah oui. Elle n'a pas été tuée par l'homme, elle est morte et ensuite le mec. Quand on dit une viande morte, une bête morte. Parce que les gens disent une viande morte, ils ne comprennent pas. Une bête morte. Une bête parce que la viande, elle est déjà morte. Voilà, une bête qui est morte d'une maladie. Moi, j'aimerais encore une fois questionner le. Bien sûr. Le chef, ça ne vous arrange pas, les gars. Ben, voilà. Il est là pour ça. Il a. T'as souligné un nom de viande, ça m'a donné envie, je ne connais pas. Nous, on connaît poulet, oui. Steak. Ouais. Alors, ça, c'est un problème, c'est aussi que les gens ne connaissent même pas les parties. Exactement, c'est très important. Il a donné un nom. Je dis, oula, ça doit être bon ça. Parce que, excuse-moi Karim, avant qu'il réponde, t'as vu quand je parlais de cartil tout à l'heure, tu sais que dans une bête, t'as des parties de la bête qui valent plus cher que d'autres. Ouais. Et quand t'as vendu toutes ces parts, le reste, il vaut rien. Donc tu peux le vendre à quasi rien. D'accord. Et quand t'as des mecs qui viennent à la boucherie, juste ils voient de la viande rouge, côtelette, qui s'arrêtent à cette connaissance-là, bah, tu peux lui mettre ces cartils-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, le coupable du fait qu'on ne nous sert pas de la bonne viande, bah, c'est nous. Parce que c'est nous qui nous renseignons pas. Ouais, c'est nous qui, comme tu as dit, on connaît steak, viande hachée. Le maximum, il connaît beefsteak haché. Il se renseigne même pas. Il connaît même pas les entourloupes. T'sais, parfois, il y a des bouchers dans sa machine de trucs où il met la viande pour la. Comment ça s'appelle? La viande hachée, la machine à viande hachée. Hacher la viande. Dans la hachoire. Il a des morceaux qui sont pas bons. Donc quand il la met devant toi, après, il va les mélanger. Tu vois ce que Ils sont déjà rentrés dans la. Tu fais pas attention, tu te fais griller. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc il faut que tu sois vigilant. En fait, même si tu as confiance, la confiance n'exclut pas le contrôle, il faut que tu fasses attention à toutes ces choses. Bien sûr. Après, on a affaire aujourd'hui à une population qui est un peu plus, informée, avec des boucheries qui font un très beau travail. Et toi, je reviens à toi, parce qu'on t'avait sauté. C'était quoi, là? Excuse-moi. Je reviens, j'ai dit, attends, je crois que le frère, on l'a pas laissé finir. Je t'ai dit, nous, généralement, ce qu'on connaît, c'est uniquement viande blanche, c'est-à-dire poulet, oui. Chicken. Allez, des fois, on se fait des folies, chicken tandoori, voilà, par-ci, par-là, avec un peu de fromage. Un petit peu de fun. Et ouais, c'est ça. Un petit peu d'épices dans la vie. Et donc, on a chicken et on a steak. Oui. Et là, tout à l'heure, tu as cité un nom, ça m'a fait quelque chose dans mon oreille. C'est vrai, ça t'a frétillé. C'est l'art de c'est l'art culinaire. Non, c'est la gastronomie, des mots. C'est un art. C'est le Chateaubriand. C'est un art, chef. Oui, bien sûr. C'est un véritable art.
Et moi, j'aimerais que tu nous parles d'autres viandes. On ne connaît pas. Bien bon, j'entends bœuf de Kobe, mais bon, ça, je pense que c'est quand on est millionnaire. Hein. Bah, pour le bœuf de Kobe, tiens, on va dire une chose. Il faut savoir une chose, les gens sont là. Ouais, le wagyu, le truc. En gros, il y a le bœuf de Kobe. Le bœuf de Kobe, il y a différentes régions. C'est une région Kobe. Kobe, c'est la région. Voilà, et t'as différents bœufs. T'as le wagyu, t'as tout ça. Après, c'est pas la science exacte sur ça. Mais parce qu'il y en a qui sont là. Ah ouais, j'ai mangé du wagyu. Après, il y a une dégénérescence cérébrale qui est causée par certaines choses pour que la viande soit marbrée. Ça aussi, c'est un autre sujet qu'il faudrait voir aussi avec des gens qui connaissent sur la question hein, du véritable halal. Il y a d'autres bovidés, d'autres bovins qui sont élevés à la bière, par exemple, à la charab, ça veut dire au khamr, donc à l'alcool. Donc, voilà. Donc, est-ce que t'en as d'autres, tu en mets du Mozart, ouais, voilà. Il en met de la musique classique dans les oreilles. Ça, c'est vrai, c'est pas un mythe, ça. C'est ah pas non, c'est rien. Mais à ce qui paraît, je dis bien à ce qui paraît au conditionnel, parce que j'ai pas eu la chance de goûter, à ce qui paraît, c'est super bon. Ouais, c'est... Mais c'est quoi les conséquences c'est sur les doigts? Bah, c'est qu'il est tendre, tu vois, il est décompressé, décontracté. Ça décontracte d'écouter du Mozart. Voilà, et surtout, tu sais, lui-même, il a bu. Ouais. Et donc, du coup, sa viande allait plus tendre. Ok, ça marche. Il faut savoir une chose, une bête, par exemple, un rump steak, qui est une partie, si je ne me trompe pas, de la fesse, de la vache, si elle se couchait sur ce côté-là, ouais, elle sera beaucoup plus dure. C'est vrai que des fois, tu achètes en boucher, tu achètes une partie d'une viande qui est souvent tendre, et une fois, voilà. Oui. Et là, on revient comme à l'apiculteur. Pour avoir une bonne viande, il faut avoir un bon boucher, quelqu'un de confiance. C'est comme le miel. Le miel, si tu veux un bon miel, il faut un apiculteur, quelqu'un de confiance. Car c'est des choses, malgré toutes les légendes qu'on a, ouais, tu le brûles, ça ne brûle pas, il file, tout ça, on ne peut pas. C'est faux. Il faut connaître un apiculteur, tu sais vraiment d'où vient son produit. La boucherie et la viande, c'est pareil. Maintenant, sur le domaine du halal, est plus vaste, on ne va pas être utopiste, on est des millions à manger. Et tu ne peux pas nourrir les gens. Voilà. Et tu sais, tout à l'heure, on parlait de consommer moins, même, on pourrait aider même le réchauffement climatique. Car vous savez qu'un des plus gros émetteurs de CO2, c'est les vaches. C'est les bovins. Ouais. Donc ça, c'est des choses que aujourd'hui, ouais, bah, si vraiment on va partir dans une conscience collective de bons musulmans, de bons musulmans, là, on va revenir à ce que t'as dit, tu disais tout à l'heure, où ça rejoint le tabia, ça rejoint la nature, ça rejoint l'écologie. Ouais, c'est intrinsèquement lié. C'est dingue. L'abattage, par exemple, tu vois, il y a beaucoup Beaucoup, oui. C'est, parce que les gens, ils peuvent dire d'où vient, je crois que c'est par rapport à leur reflux gastrique qu'elles émettent. Elles émettent beaucoup. Les gaz et tout ça, c'est ça, je crois, qui... Quand vous avez cliqué sur le titre, vous êtes dit, voilà, ils vont parler de viande halal. Mais jamais de votre vie, vous seriez dit que on entendrait des informations aussi importantes et on découvre des choses finalement la viande halal. Ça renferme pas mal de, ouais, de bah, en fait, de effectivement, choses, il y a eu des études. Tu sais qu'un kilo de viande bovine, de viande de bœuf, de vache ou autre, je crois que c'est des centaines de litres d'eau qui sont consommés déjà par la bête. Et comme il a dit, il y a un impact écologique qui est important. Incroyable. C'est complètement fou. Ouais, je suis sûr, hein, tu verrais les élevages au Texas ou je ne sais pas où, aux États-Unis. Maintenant, ils se déplacent en hélicoptère. Des drones, c'est un truc de ouf. Parce qu'avec Henry, ils aiment bien les burgers. Hein. Ouais. Ah, ils bouffent la vie d'un chat. Ils boivent. Hein. Dédicace à tous nos amis et toute notre communauté aux États-Unis. How are you? Hi, thank you. Et finalement, on a fait comme eux. Maintenant, les burgers, ça s'est énormément répandu en France. Tu sais, la viande halal, c'est quoi? La viande halal, comme on l'a dit, normalement, c'est pas uniquement l'abattage. Parce que pour les gens, manger halal, c'est manger une bête qui a été égorgée. C'est ça. Et pour le... Sacrifié. Immolé, pour rester poli. Ouais. Voilà. Gentil. Pour rester gentil. Et pour le commun des mortels, le fait qu'elle soit sacrifiée ou le processus d'abattage, c'est barbare, etc. Et tout. Mais l'islam, déjà, c'est pas uniquement ça. Quand on s'arrête à ce débat-là, on n'a pas compris ce que c'est que le halal. Normalement, le halal, comme tu as dit tout à l'heure, avec une crypto ou n'importe quoi, c'est de vérifier de la fourche à la fourchette. Tu vois? C'est-à-dire, du moment où tu l'élèves, par exemple, le prophète, il y a des hadiths qui parlent de ce qu'on appelle al-jallala. Al-jallala, tu sais, c'est la bête, c'est le poulet qui va manger, par exemple, n'importe quoi, qui est en liberté. Ben, ce poulet qui est en liberté, il se peut qu'il mange des vers de terre ou des excréments. Et ben lui, il n'est pas halal à la consommation directe. Les fuqaha, ils ont déterminé un peu plus avec du détail. Mais normalement, tu es censé le mettre en cage un certain temps, histoire que son transit intestinal se purifie. Et Aad, tu l'abats. D'accord, okay. Tu vois ce que... C'est-à-dire que même ce que tu donnes à manger à la bête, toutes ces choses. Vous avez dit qu'on allait apprendre des choses dans cette vidéo. Mais, et les prochaines, où on invitera les autres, Inch'Allah. Bien sûr, il y aura vraiment des sujets intéressants. Et en fait, c'est juste... Tu sais, moi, je fais une analyse du haut de ma quarantaine. Nous, le halal... Moi, comment j'ai le départ de la viande halal, en réalité, quand on a commencé, c'était ma génération, on était petit, à l'époque, il n'y avait pas. Ça a commencé avec le cachir.
Moi, je m'en souviens, je suis 93 en Seine-Saint-Denis. Mmh. Le week-end, il y avait des amis, des voisins qui travaillaient dans une boucherie cachère, donc juif, qui ramenaient des cachirs. Et qu'on mangeait ça. Parce que c'était la viande des gens juifs. Les juifs, ça, on mangeait le cachir. Ensuite, il y a une évolution. Il y avait nos papas qui allaient au marché, qui connaissaient un mec qui abattait une bête, qui avait une certaine portion de viande à vendre le week-end. Donc, même, il réservait. On a commencé comme ça. Après, on a tout éclaté. Jour de l'Aïd, on allait à Quick de se rembedotte, on mangeait des cheese. Tu vois, on se faisait des fatouas entre petits. Je m'en souviens, Starfall-là, celle-là. Non, la viande blanche, le sang, il passe pas dedans. Elle est blanche, donc on peut manger, c'est halal. Celle-là, je sais pas d'où elle est sortie. Qu'Allah me pardonne, mais j'en ai tué des McChicken à cause de ça. Tu vois, qu'Allah nous pardonne. Donc, tu vois, il y a une évolution. Après, on a commencé. Et là, on est encore dans le développement du halal. On va parler, par exemple, des IQF, des poulets transformés. Au départ, dans le halal, on avait que des poulets qui étaient mis en pâte. Et il y avait les débuts de nuggets, les steaks hachés aux oignons halal. Oh, c'était pas bon ça. Mais on le mangeait. Après, ça a évolué. Maintenant, on a des vrais tenders. C'est quoi un poulet transformé? Alors, le poulet transformé, dans ça, il y a des. Il faut savoir que, donc, là, je vais dire moi ce que je connais de ce que j'ai appris de ce domaine-là. Hein. Si je me trompe, certains me reprendront et j'ai aucun problème avec ça. Donc, tu as une bête. Donc, qui est de beurre, donc voilà, sans électronarcose pour qu'elle soit halal, parce que l'électronarcose, ça met un coup de jus, et il y a beaucoup de bêtes, comme le cœur des poules est très sensible. Tu peux rentrer dans un poulailler juste à taper des mains, t'as peut-être une centaine de poules qui vont claquer. Tu vois? Donc, imagine-toi un coup de jus. Leur cœur est très sensible, ils sont très cardiaques, les volailles. Ça veut dire derrière ça. L'électronarcose, pour expliquer aux gens, en fait, c'est parce que vous savez ce que c'est ou pas, non? C'est, tu vois, dans le process d'abattage des poulets, souvent quand on les égorge dans le rite islamique, dès que tu les égorges, en fait, le poulet part dans tous les sens. Et vu qu'ils sont dans des lignes de production, ils vont en fait se briser les pattes ou les ailes ou les cuisses. Et donc, du coup, pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On les fatigue avant en leur mettant un coup de jus dans de l'eau. Okay. On les fait rentrer dans un bas, il y a un coup de circuit électrique, et ensuite on les sort pour qu'elles soient un petit peu endormies. Okay. Le problème, comme il a dit, c'est qu'elles ont un rythme cardiaque et surtout un niveau cardiaque qui est très faible. Ouais. Donc, du coup, quand tu les fais passer dans l'eau, voilà, entre-temps, avant que tu les sacrifies, il y en a, elles sont mortes. Elles sont déjà mortes. Donc elles sont plus halal. Donc ça, elles ne sont plus halal. Voilà, même l'électronarcose fait objet de divergence. Exactement. Il y en a certains qui le permettent sous condition. Et tu as l'électrochoc aussi, qui est autre chose, qui est après l'abattage. Exactement. C'est-à-dire que tu te berres et après, boum, ils leur mettent un coup de jus pour plus qu'elle bouge. Mm-hmm. Donc là aussi, il faut laisser un certain temps, normalement, etc. Mais dans ça, voilà. Donc après, la volaille, elle arrive, vas-y, on a déplumé, etc. Tu as différentes parties. Tu vas voir les blancs, tu vas voir les cuisses. Et tu vas voir ce qui va rester, la carcasse. Ce qu'ils appellent la viande séparée mécaniquement. Ce n'est pas de la viande. C'est tout le reste qui est mis en pâte. Après, tu peux tout mettre en pâte. Tu peux mettre du blanc de poulet en viande hachée. Après, c'est des teneurs. C'est comme aujourd'hui dans les mayonnaises. Dans les mayonnaises que tu achètes, il y en a une où il y a 50% d'huile, une 85% d'huile. Il y en a d'autres, c'est de la gomme xanthane ou je ne sais pas ce qu'ils foutent dedans. C'est comme dans tout dans l'agroalimentaire. Il y a beaucoup de trafic pour que ça coûte moins cher. Mmh. Et en fait, nous, on a une évolution où aujourd'hui, on arrive à une certaine qualité où tu peux trouver des tenders 100% de filet de poulet. C'est plus une pâte de poulet qui est mise et qui est chapelure et qui est mise dans l'huile et c'est parti. C'est magnifique. Donc, il y en a qui essayent de faire ça. Mais le problème, on est dans quoi? On est dans un truc ou dans une concurrence de prix. Parce que les vendeurs veulent vendre. Parce que quand tu vas dans un abattoir en Pologne ou en Roumanie ou je ne sais où, il faut que tu commandes un certain nombre de tonnes. Sinon, ils ne te regardent même pas, ils ne parlent même pas avec toi. Parce que c'est le seul pays où tu peux faire sans électronarcose, etc. L'idéal, en vérité, serait que le business revienne bien en France. Voilà, après, je dis ça, j'espère que je ne froisse personne, ni mes partenaires. Je parle en tant que chef cuisinier. Et en tant que musulman, tu vois, bien sûr, ça serait mortel et peut-être trouver des ententes avec l'État français. Après, Allahu alayhi, on va pas être utopiste, tu vois. Mais derrière ça, le niveau évolue quand même en bien. Il y a des gens qui font de la viande, de la bonne viande. Il y a des petits artisans musulmans qui font des choses. Il y a des industriels musulmans qui essayent de faire des bonnes choses. Mais on est toujours dans une réalité de food cost. Le food cost, c'est le calcul de la vente, je parle pour les professionnels, et même pour ceux qui veulent vendre dans la GMS, dans les grandes et moyennes surfaces, ou même dans les cash and carries, comme les métros, les trucs comme ça. Aujourd'hui, quand toi, tu sais que quand tu vas vendre, je ne sais pas, une barquette de nuggets comme ça, ou une barquette de tenders dans ton restaurant, tu sais que si tu dépasses 25% du prix de revient par rapport au prix de vente, c'est-à-dire j'ai une petite barquette comme ça de 8, de 6 tenders à 10 euros. Je te donne un exemple. Si elle me coûte plus de 2,50 euros, je vais perdre de l'argent, je ne vais pas pouvoir gagner d'argent. Ça va être très dur avec mes charges fixes,
avec mes salaires. C'est très dur aujourd'hui pour nous les restaurateurs. Même si t'as le dernier concept à la mode qui déchire tout, où t'as des files d'attente de 600 à 1000 personnes par jour, eh ben frérot, si tu n'as mal fait ton food court, t'es mort. T'as mal calculé. T'es mort. Donc qu'est-ce qui se passe? Les restaurateurs, ils cherchent plus bas. Ensuite, il y a les problèmes aujourd'hui. Il y a toute la flip là, du 1er janvier avec les hausses. Électricité, gaz, plus de chauffage. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Wallah, les gens préfèrent vivre dans l'instant. Bien sûr. Un certain confort que de penser à leur santé. Mec, le corona, qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, les gens veulent profiter. Donc, ouais, ben frère, c'est un poulet pané, frère. C'est un poulet pané, en vérité. C'est là que tu m'as dit une chose. Vous avez dit une chose où il y en a même aujourd'hui, malheureusement, qui ne se soucient même plus de manger une viande halal. Oui, bien sûr, ça, c'est un gros problème. Certifié, on n'en parle même pas, c'est un autre niveau. Certifié, c'est un niveau au-dessus. C'est la Champions League pour ça. Je crois, là où Alem, tout à l'heure, j'en parlais avec Mouloud, hein, frérot, sur les viandes certifiées vraiment authentiques halal, elles représentent, là où Alem, que 7% du marché du soi-disant halal. Tu t'imagines? C'est l'élite. C'est l'élite, mais c'est pas l'élite dans la qualité, attention, c'est ça qu'il faut. C'est des frères qui font un très grand travail, très respectable, mais pas forcément, peut-être ils vont s'énerver contre moi, mais moi en tant que chef, voilà, je peux pas mentir sur ça. Mais il y en a qui font très bon, des gammes. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des gammes. Et elle est là le mérite des frères qui font ça. C'est qu'il y a des gammes dans ça. Mais donc alors, du coup, la faute, elle est au consommateur final. Parce que c'est lui qui place le curseur. Si le consommateur, au lieu de regarder le prix, regarde la qualité... Bah le vendeur, il va lui proposer de la qualité. Mais est-ce qu'il a vraiment envie de... Excuse-moi, je t'en... Non. Est-ce qu'il a vraiment envie de... Bah, il faut qu'il prenne conscience de ça. Pour moi, je comparais ça. Ça va être bizarre, je fais une parabole sur ça. Je comparais ça au fait que depuis certaines années, on ne met plus d'argent de côté. Qui met de l'argent de côté? Non, les gens lambda. Il n'y a plus personne qui met de l'argent de côté. Même moi, j'essaie, j'arrive pas, frère. T'es sûr? J'arrive pas. Combien de personnes aujourd'hui, des familles normales, moi je parle de pères de famille, avec ils ont des crédits, oui. Pour certains, ils ont une vie où ils profitent du moindre sou qu'ils ont. Oui. Et ben maintenant, c'est la même chose dans la bouffe. Frère, je veux. Aoudoubile, j'aime pas cette parole, mais allez-y, ah, vaut bien mourir de quelque chose. Quand celui qui fume, oui, ou celui qui. Voilà, il mange. Moi j'ai besoin de manger, frère. Tu veux me parler d'aller faire la queue à la boucherie de je sais pas d'où pour payer pour sortir un ticket de 150 euros, ça représente quoi 150 euros? C'est un caddie plein à Lidl, mon frère. Et puis s'il y a 2-3 nuggets qui passent en dessous et qu'il y a pas, j'ai pas croisé le voisin, après on qu'Allah me pardonne. C'est là où nous on doit intervenir pour dire les frères, Wallah, mangez moins mais mangez bien. Les sœurs, Wallah, cherchez de la viande certifiée. Et les frères certificateurs, revenez un peu à des choses qui sont en corrélation avec notre religion. Et arrêtons un peu de faire les mythos. C'est ça. J'accuse personne, moi le premier, qu'Allah me guide, on arrête un peu, on se remet en question. La sincérité comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. Allez, khalas wal mutaba. J'ai une question, Hassan, désolé les frères, si je prends beaucoup la parole, vraiment, je m'excuse. Tu as parlé d'un faible pourcentage. A contrario, j'ai entendu que... Sur les certificateurs, vraiment, qui sont sur le... Qui essayent de faire et qui font, on va dire, le meilleur travail sur le terrain. Ok. J'ai entendu, à confirmer si c'est vrai ou si c'est pas vrai, on m'a dit que c'était un cadeau de la part d'Allah, 90% de la viande blanche, c'est-à-dire le poulet, en Île-de-France ou en France, je ne sais pas, à toi de me préciser, et halal, parce que c'est la moins chère du marché. Est-ce que ça, c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, c'est pas... Moi, de ce que je sais, hein, je parle de ce que je sais, après, je ne connais pas tout. Quand tu as un industriel sur le territoire français qui doit préparer ses machines, qui a un coût, qui vont embaucher des personnes dans une chaîne d'abattage à 80% la demande est halal, est-ce que tu penses que les 20% de façon d'abattre non halal, il va se prendre la tête? Non. Jusque quand il va voir, tu vas avoir le même poulet, entre guillemets, halal, hein, je ne sais pas si c'est du poulet certifié ou non, tu vois, j'ai entendu ça même hier dans certains abattoirs, où il y en a un qui est estampillé halal, l'autre qui n'est pas estampillé halal. Mais il est halal. C'est le même poulet. Il sort de la même chaîne d'abattage. Mais ça, il faut comprendre, c'est économique. C'est comme si toi, voilà, demain, voilà, il y a un studio de tournage, je dois le louer. Est-ce que je vais venir enregistrer plusieurs émissions ou je vais faire qu'une seule émission? Je vais faire plusieurs émissions avec différents invités. C'est à peu près la même chose. J'ai un pôle, j'ai une industrie, j'ai une société. Je vais faire une chaîne d'abattage. Et c'est là où tu vois où l'extrême droite est montée au créneau et a dit « Nous ne voulons pas de viande halal dans nos rayons. » Les gens n'ont pas compris, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Chef Hassan, tu étais en train de nous parler de... Chef Hassan, s'il te plaît. Je pense à m'appeler Chef Slater en ce moment. Okay. Pourquoi Slater? Parce que je t'expliquerai derrière. Hein. Bon. En off. Chef Hassan. Chef Hassan Slater. Tu nous parlais de l'extrême droite, tu disais quoi? Non, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'en France, on a eu tout un débat. Moi, j'ai été interviewé par la FPI, ça s'appelle anglais, justement, en Grande-Bretagne.
Ils m'ont contacté, je ne sais même pas d'où vous me contactez. J'ai dit, dans les chefs halal, on trouve que vous, on va dire, qui est mis en avant. Donc j'ai dit, alhamdoulilah, ils m'ont parlé de ça. Ils m'ont dit, voilà, aujourd'hui, c'était pendant les dernières élections présidentielles, où ils m'expliquaient que l'extrême droite venait accuser que les rayons des GMS, des grandes et moyennes surfaces, étaient remplis de viande halal. Donc oui, on a parlé de ces chaînes d'abattage qui étaient en mode halal parce que ça coûterait trop cher de changer pour un minimum. Et donc, il y avait une certaine... origines françaises, pure souche, qui étaient lésées car ne voulaient pas manger de halal. Maintenant, ça, c'est une histoire business plus qu'autre chose. Et derrière, voilà, c'est pour expliquer aussi qu'il y en a qui ne comprenaient pas pourquoi Marine Le Pen parle de viande halal dans les étalages des GMS. Ça, voilà. Maintenant, aujourd'hui, on en parlait, hein, il y a des bouchers, il y a même des gens qui sont là à mettre en avant l'abattage rituel musulman. C'est pas l'abattage rituel musulman, puisqu'on va pas dire, qu'il reconnaît ça, mais que la technique utilisée qui est de l'égorgement est une des meilleures façons de faire pour la bête. Il y a des recherches scientifiques qui l'ont démontré d'ailleurs que en fait quand tu l'abats, la viande, l'animal, il rentre dans un sommeil très profond, donc il ne souffre plus. Donc il ne souffre pas, d'accord. Et ça, il y a même eu des études très récentes qui le prouvent. Et en plus, ce n'est pas un truc uniquement islamique ou islamiste ou je ne sais quoi. Non. C'est la méthode conventionnelle, universelle, depuis la nuit des temps. Depuis qu'il y a des hommes sur Terre et des animaux. Ils égorgent la bête. On le voit bien dans certaines populations, même sur le cochon. Bien sûr. Sur le khinzir, sur le cochon, ils le font aussi. Ils égorgent la bête. Mais bon, ça vient mieux quand c'est un ami comme Yves-Marie Le Bourdonnec, je ne sais pas si vous connaissez, qui l'a dit sur un plateau télé. Surnommé le boucher des viandes d'exception. Voilà, exactement. Quand c'est lui qui le dit, déjà, ça nous... Je ne vais pas dire ça nous conforte, parce que nous, on est confortés par notre religion. Je crois que tout à l'heure, on en parlait, que tu as trouvé un article qui revenait à ça. Exactement. Il a dit, moi, je suis pour le tout égorgement et on n'aura plus de problème. Tous les animaux. L'abattage par égorgement est le plus efficace pour éviter le stress de l'animal et je le constate tous les jours. Donc, je suis pour l'abattage par égorgement. Je pense que l'étourdissement est une erreur. Quand on a instauré l'étourdissement, on l'a fait pour des cadences infernales, des abattoirs. Ce n'est pas du tout pour le bien-être des animaux. Il faut arrêter de penser comme ça. Ah, et là, c'est quelqu'un qui a la ligne. Ah. Donc, incroyable. C'est Jean-Marie qui nous a attaqué et c'est Yves-Marie Le Bourdonnec qui nous défend. Qui nous les doigts. C'est bon, hein. C'est magnifique. En fait, ce qu'il dit, ça me rassure. Pourquoi ? Merci beaucoup pour cet article, c'est hyper important. Parce que moi, j'ai déjà vu des vidéos où il y a des abattages vraiment barbares avec des coups de marteau sur la tête de la bête. Voilà, tout type de des coups de pied sur des poules. Des trucs de ouf, etc. Et tout ça, voilà, c'est ça. Mais vraiment, c'est que ça, il y avait un irrespect, vraiment. Peut-être à des gens qui deviennent des véganes, je sais pas quoi, et qui pour autant vont s'en prendre à tous les consommateurs de viande. Non, nous, on est pour que la viande, elle vive bien, qu'on la respecte, qu'on lui donne un droit à une vie saine, et que même sa fin de vie, elle soit saine, et même aussi une façon de respecter la viande. Excusez-moi, je vais peut-être mettre aussi un coup de pied dans la fourmilière, c'est de pas gaspiller la viande. Sûr, combien on achète de viande, comme tu as dit, de charcuterie et tout, ça reste dans notre frigo. Ah bah c'est bon, elle a passé les 5-10 jours, ça y est, on jette, etc. Vrai, et tout. C'est un animal qui est mort pour que qu'on ait ça dans le frigo, en fait. Bien sûr. On n'a rien contre les véganes, hein. Je vais préciser. Non, mais si, on a chacun une de faire ça. Tu me rappelles une chose. Rien contre les véganes, excuse-moi, chef Hassan, vraiment. Et rien contre les personnes qui ne souhaitent pas manger de la viande halal. Bien sûr, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. On n'est pas là pour imposer. C'est important de le préciser. Ce soit. Ali, je suis d'accord. Mais après, pour revenir, tu sais, un jour, je lisais sur une partie du Tawhid, où aujourd'hui, on oublie une certaine chose, nous, les musulmans. C'est que manger est le fait de reprendre des forces pour le mieux adorer notre Créateur. Tu sais, moi, quand j'ai lu ça, j'ai eu peur, parce que ça peut même rentrer dans une certaine forme de shirk quand tu oublies cette chose-là. Après, bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails, on rentrera ça peut-être avec un imam ou quoi, qu'on fera un épisode sur ça, sur les différentes façons de manger la bête, l'âge de la bête, ne pas confondre sacrifice par adoration et sacrifice pour manger, sacrifice de l'Aïd, où la bête doit respecter certaines choses, et sacrifice en dehors de l'Aïd. Il y a toutes ces choses-là un peu spécifiques. Mais la base, c'est on se nourrit pour reprendre des forces, pour pouvoir le mieux adorer pour notre Seigneur et pouvoir faire des bonnes actions, notre travail, vivre tous les jours. Et d'ailleurs même, nous, parmi les recommandations prophétiques sur lesquelles notre messager, notre prophète, auquel on croit, sallallahu alayhi wa sallam, a fait, c'est par exemple qu'on n'a pas le droit de tuer une bête devant l'autre,
Oui. On doit bien aiguiser le couteau pour ne pas faire souffrir la bien bête. Sûr. Et ne jamais aiguiser le couteau devant la bête. Exact. Ça a été blâmé. C'est pour dire, à l'époque, il y a 1400 ans, à l'époque où personne ne parlait du bien-être animal, à l'époque où personne ne parlait d'écologie, c'est le premier homme de l'humanité à avoir mis en avant ces problématiques face auxquelles on est confronté, comme vous avez dit, où on voit ces choses complètement barbares. T'imagines, il est rentré dans un niveau de détail, dans un désert où il n'y avait rien. Ou ne savait même pas, il y a des spécialistes qui disaient, tu sais, un verset dans Sur la tête Thomas, qui parle d'une bataille où le professeur Selem, il a repoussé certains compagnons parce qu'il n'avait pas de quoi leur donner pour s'armer, pour faire de la cavalerie. Il disait que les Arabes ne savaient même pas dresser un cheval. Tu vois, l'apprivoiser, le dresser. Ils n'avaient aucun savoir-faire, les Arabes, pour te dire à l'époque dans le désert. Ils avaient une seule, c'était l'éloquence dans la langue, et le professeur Selem est arrivé avec le Coran, dans la chose dans laquelle ils excellaient le plus, il leur a mis une claque, il leur a dit ça, et au point où tous les Arabes se sont convertis pour ceci, c'est quand ils ont entendu les passages du Coran et disaient « Ceci ne peut pas être la parole d'un poète ou d'un humain. » Et l'histoire de Omar, l'histoire du poète également qui était venu, qui a hérissé parce qu'il a entendu quelques versets, des choses comme ceci. Donc, la religion musulmane, elle est venue, et même ce qu'on appelle « masqas et de sharia », ce qu'on déduit, ce que font les savants musulmans de la déduction de ces hadiths, c'est qu'en fait, nous, les musulmans, à chaque fois qu'on doit manger de la viande halal, on doit se soucier, comme l'a fait le professeur Salem à son époque, il y a 1400 ans, à ce que la bête, elle ne souffre pas. Et qu'est-ce que la bête, elle meurt dignement, et est-ce qu'on la respecte dans sa sacralité, parce que c'était une créature vivante, jusqu'à ce qu'on la consomme, et on la consomme parce que c'est un bien de Dieu, c'est un droit que Dieu nous a donné, et parce que nous sommes tous amenés à mourir, et que eux, c'est comme ça que Dieu a conçu les choses. Mais voilà, qu'il y ait cette notion de respect de la bête, etc. Et ça, ça fait partie du code de l'islam, ça fait partie de l'ADN de la religion musulmane. Donc quand moi ça me fait mal au cœur d'entendre halal, sacrifié, etc. Et tout. Non, le halal il est mangé de bonne manière, avec la main droite. Comme tu as dit, on ne consomme pas beaucoup. Le professeur Salam il a dit, nous sommes un peuple qui ne mangeons que lorsque nous avons faim, et lorsque nous mangeons, nous ne mangeons pas jusqu'à satiété. T'imagines qu'on respecte les codes, quand on mange, comme tu as dit, le grammage, qu'on ne mette pas beaucoup de grammage. Tout ça, ça fait partie du halal normalement. Que même la personne qui le mange, elle dise bismillah. Bismillah, c'est-à-dire je me purifie, je le fais au nom d'Allah. J'arrête de faire des bêtises. Je ne le mange pas avec de l'argent haram. Tu vois ce que je ne peux pas acheter quelque chose de halal avec quelque chose de haram. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce que tu dis est très important. Moi, je rebondis sur une chose. Tu sais, je réfléchis, moi, en tant que chef cuisinier, en tant que homme qui aime la viande aussi. Tu sais, aujourd'hui, il y a un équilibre à avoir. Il y a un certain équilibre. Sur les bêtes, bien sûr, on respecte tout le monde. Celui qui veut manger, il mange. Celui qui ne veut pas manger, il ne mange pas. Mais qu'est-ce qui se passerait si demain, on ne mangerait plus les bêtes? Qu'est-ce qui se passerait? Vas-y, demain, on décide tous de devenir vegan. Il va y avoir un déséquilibre. Ben déjà, on serait tous des bâtons. Ouais, non, pas forcément, parce qu'il y a des protéines, je crois. J'ai vu, les mecs à la salle, ils boivent des jeux de blancs d'œufs. Non, mais sérieusement. Je suis sûr, il y en a un qui irait croquer. Il y aura un déséquilibre au niveau des bêtes qui proliféreraient. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais je vais peut-être me mettre des gens. Mais qu'est-ce qu'ils feront, les êtres humains, au final? Qu'est-ce qui se passe quand il y a une espèce animale qui prend le dessus sur le reste dans l'écosystème? Qu'est-ce qu'on fait? On se fait courser, comme dans certains... Il les élimine. Quand il y a une invasion d'une espèce animale dans une certaine région, que ce soit les frelons asiatiques, que ce soit les rats, que ce soit... Il y a même eu, je sais pas si vous avez vu ce truc-là, je vous invite à regarder le reportage des... comment on appelle ça? Pas les kangourous. Les émeus. Les émeus d'Australie. C'est la seule fois où l'armée a été sortie contre des animaux. Incroyable. L'invasion des émeus. Les émeus, vous savez ce qu'ils font avec leur cage? Les émeus, c'est une sorte d'autruche. C'est quand ils font avec leur cage thoracique, ils gonflent, ça fait des tambours. Et ils flippaient à l'époque. Et ils envahissaient. Regardez-le sur Internet, je dis pas des bêtises. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont même pas réussi à combattre les émeus. Alors demain, vas-y. Allez, on est tous vegan, on mange plus de viande. Il va y avoir un déséquilibre. Non. Ah, je vais me faire des ennemis dans le... C'est bon, la viande. Donc, il faut des véganes qui nous laissent un peu de viande pour ceux qui aiment manger. Ça, c'est la phrase de Beaufa. Il faut un équilibre. J'aime bien les véganes, ça me fait plus de viande. Non, en fait, pourquoi je disais ça? C'est pas pour la souffrance animale. Parce que ce qu'il arriverait, au final, c'est qu'ils vont trouver un moyen de tuer. C'est philosophique, et c'est pas le lieu de nos récits. Parce que tu vas avoir des gens qui vont te répondre en disant non, tu seras obligé de répondre. Nous, on... T'adopteras, toi, 10 moutons, à la maison? Je sais pas. Je rigole. Franchement, je fais des coupes de ouf. Je crois qu'ils vont se demander si c'est de l'eau qu'on a bu. Hein. Parce que là, ça part dans des trucs. Ah ouais, c'est... Hein non.
nous, les musulmans, la consommation, elle fait partie des mu'amalat, des interactions, et c'est construit sur le tarad et l'agrément. Celui qui ne veut pas manger de viande, on peut être vegan musulman. C'est pas parce que tu renonces à la viande que t'es plus musulman. Mais c'est pas parce que tu manges de la viande que t'es un mauvais citoyen ou t'es pas une bonne personne non plus. Tant que, bien évidemment, tu le fais dans les règles. Et qui sont les règles prescrites par l'islam, par la loi, etc. Et tout. Juste au milieu. Voilà, exactement. Exactement. Moi, ce que j'aime autour de cette table, pour être un peu plus sérieux, c'est qu'on est, en fait, on est des êtres humains, on fait partie d'une communauté, les musulmans, on est des pères de famille pour la plupart, et on discute sur des sujets qui aujourd'hui, ont été un peu fermés. Et aujourd'hui, on en discute comme des gens normaux. Justement, je voulais justement vous lire un petit passage, je pense qu'il est intéressant, parce que vous vous rappelez, en fait, quand, maintenant on est dans le plein les débats, le séparatisme, etc. Un musulman, un islamiste, c'est quoi la différence et tout. Nous-mêmes, parfois, on s'étonne. On ne sait même plus. On ne sait plus, voilà. Un musulman ne sait plus qu'est-ce qu'on est au final. Est-ce qu'on est des bons citoyens, franchement, je pense que tout le monde se pose la question. Et le journal très sérieux France 24 a mis, il a cité une experte, ce n'est pas Yves-Marie, hein, c'est une autre experte, manger exclusivement halal pourrait, par exemple, avoir pour conséquence de couper le consommateur de l'espace public, mais aussi de toute forme de sociabilité. En gros, tu es un séparatiste quand tu manges des viandes halal. Ah oui. Ouais. Selon Florence Bergeau-Blackler, excusez-moi, faut pas que j'écorche son nom. Donc c'est Florence Bergeau-Blackler. Donc elle dit entre guillemets, diviser en deux l'espace entre le permis et l'interdit crée une certaine anxiété sociale et conduit à des conduites d'évitement, regrette la chercheuse dans son ouvrage. Je ne sais pas ce qu'elle cherchait. Quand vous mangez exclusivement halal, le problème peut-être, vous pouvez éviter d'inviter quelqu'un qui ne mange pas halal chez vous par crainte qu'il vous invite à son tour. Mais toi, tu as le droit de manger. Tu manges ce que tu veux, toi, tu en vrai. Mais j'ai jamais vu un musulman me dire « Non, je ne vais pas inviter lui parce que ce n'est pas un musulman. » Il m'a jamais vu ça de ma vie. Allez, bon, les gars, si Anaïd, tu dis ça ou pas? Ouais, effectivement. Tu sais, moi, alors, je trouverais ce discours plus plausible et plus crédible si on parlerait d'économie. Tu vois ? Non, mais attends, c'est pas fini. Mais là, c'est d'autant plus vrai que ces conduits d'évitement sont accompagnés d'un discours de rejet de la nourriture. Oh, séparatiste de rejeter de la nourriture. Mon Dieu. La confusion entre halal et pureté est préoccupante. En plus, voilà. Donc, le problème, regarde, même, tu vois, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque de Sarkozy, il y avait des parents musulmans qui ont fait la bêtise de demander à ce que leurs enfants ils aient le droit à des repas de substitution. C'est-à-dire, quand il y a de la viande, est-ce qu'on peut avoir d'autres choses? Ils n'ont pas demandé du poisson. Ils ont demandé qu'il y ait un repas de substitution. C'est-à-dire, on leur met une autre protéine, n'importe quoi, mais on leur met autre chose. Et c'est une bêtise. Parce que, en fait, ils se sont fait taxer d'islamistes, etc. Et tout. À l'époque, je m'en rappelle. Ah, il y a eu après. Mais justement, après l'émergence des véganes, des gens qui ne mangent plus de viande, maintenant, c'est normal qu'il y ait des repas de substitution pour les véganes. Donc on va respecter le vegan qui ne veut pas manger de viande et le musulman qui demande à manger une viande différente, on va le traiter de séparatiste. Mais pourquoi elle ne dit pas ça, cette chercheuse, sur tous les véganes? Parce que le vegan, il peut dire la même chose. Si j'invite... Tu sais, c'est le même problème que moi aujourd'hui, je vais rencontrer. Mais est-ce que vous l'avez remarqué, ça aussi? Moi, depuis qu'il y a les véganes, en fait, c'est une bénédiction pour nous, les musulmans, parce que tu as de plus en plus de produits sans viande. Tu peux acheter des sandwichs, des pizzas, tu peux aller partout. Tu peux aller au McDo, tu peux prendre le veggie ou des trucs. Enfin. Non, après, c'est important, parce que c'est vrai ce que tu dis. Mais après, ça, c'est un problème qu'on sait, sans voiler la face, un problème avec l'islam. C'est comme moi. Demain, on me voit avec ma barbe, je dérange peut-être certaines personnes parce que je suis musulman. Je serais un hipster, je serais avec Marley Davidson, je serais un mec de la route 66, on s'en fout. Parce qu'il y en a plein des chefs cuisiniers avec la barbe, mais qui ne sont pas. C'est un problème. Donc, moi, sur cette chose-là, je préfère l'éviter. C'est-à-dire, quand je dis l'éviter, ne pas y penser. Aujourd'hui, on sait qu'en France, il y a ce problème-là. Qu'est-ce que tu veux à part espérer que ces gens soient un jour, voilà, raisonnent, qu'on ait un dialogue, un échange? Et d'expliquer aux gens, non, ça ne change pas. C'est comme la vidéo qui était quand il y a, je ne sais plus c'est quoi, deux enfants, deux adolescents, où il y en a, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ah, t'es musulman, le mec, il devient fou. Tu vois? Non, tu ne vas pas devenir musulman. Il y en a, ils disent, ouais, manger halal va te faire devenir musulman. Non, il faut un peu expliquer les choses. Et je pense que c'est un peu notre devoir aussi. D'expliquer aux gens. Et après, il y a une réalité qui est, on a grandi dans des quartiers mélangés, où c'était un véritable melting pot, où Madame Grégoire allait au boucher du coin chez Mohamed acheter sa viande et qui ne s'est jamais posé cette question. Je reviens sur ce que tu dis, Larsen, je me permets de rebondir. Tu vois, tu dis qu'il faut expliquer, mais tu as entièrement raison, mais comme on le disait en amont au tout départ, c'est,
il faut se renseigner. Bien sûr. Et je pense que tant qu'on se renseigne pas, on peut même pas expliquer. Donc je pense que le problème, il est là dès le départ, c'est qu'on se renseigne pas. De la fourche à la fourchette est là pour ça. Nous allons parler de halal. Et il faut continuer, et sérieusement, inviter les gens qui sont calés sur le sujet, car il y a des choses qui vont changer. Tu sais, il y a une grosse vague. En fait, il y a une grosse vague à un moment donné du halal. Du halal, et du halal certifié ensuite. Et ensuite, les débats stériles de qui est le patron de telle société. Non, c'est parti dans des trucs d'origine, de ACE, le business, parti dans le business. Ensuite, là, il y a un grand mou. On n'en a plus parlé. Étrangement, ouais. Et on est là pour ça aujourd'hui. Bah d'ailleurs, pour faire l'anecdote, la parenthèse, pardon, on peut acheter de la viande halal chez un non-musulman. À partir du moment où elle a été sacrifiée, abattue par musulman, ou tout ce qui s'est passé. On peut l'acheter dans les magasins, les grandes surfaces. Et ça n'appartient pas, et peut-être là je vais me faire des gens qui ne vont pas être contents, mais moi en tant que chef cuisinier, j'en parle, ça n'appartient à personne. Le halal appartient à la communauté. Le halal n'appartient pas à certaines entités ou à un certain lobby. Ça appartient à tout le monde. Aujourd'hui, c'est pour ça que moi j'ai rejoint l'aventure à l'origine, parce que c'est ouvert à tout le monde. Tu veux venir, c'est ouvert à tout le monde. C'est comme ça. L'islam n'appartient pas aux Arabes et aux Maghrébins. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est ça aux non-musulmans qui pensent que c'est focus. D'ailleurs, justement, Ali, j'avais une question intéressante à te poser. C'est à quel moment, toi tu t'es converti, à quel moment t'as parlé de ventre halal ? C'est dès ta conversion ? Avant la circoncision ou avant le... Excuse-moi. C'est pas méchant. Non, c'était avant. Ah, moi, on a parlé avant parce que j'étais un amateur du KFC. Donc, on m'a dit, mec, il va falloir te calmer avec ça. Donc, ouais, c'était bien avant la conversion, quoi. Et du coup, t'as trouvé des alternatives ou pas? Ouais. Bah, il y a plein de frères qui ont lancé des commerces et je mange chez eux, alhamdoulilah, et c'est aussi bon. Voire meilleur, quoi. Ali, avoue-le, tu traînais avec des musulmans et avant même de te convertir, tu mangeais halal. Ça arrive, hein? Moi, je connais des potes. Moi, c'est halal. Frère, t'es pas musulman encore? Ah, mais faut manger halal. Le grec, il est meilleur. Hein? C'est vrai qu'un grec pas halal, ça existe? C'est je sais même pas. Ça, je pense pas. Voilà, à Saint-Michel, je crois. Il y a des vrais grecs où il y a du porc, etc. Ouais. Parce qu'il y a différence entre le grec, le kebab, le shawarma. Il y a des différences sur ça. Il y en a que où il y a du porc. Ouais. C'est bon, KFC. Hein. Désolé, frère, mais c'est très beau le KFC. Ah, quand même, pardon. Arrêtez de faire ce vie. À l'époque, il y avait celui de Bondi Sud qui était soi-disant, ils avaient une fiche avec halal. Ouais. Au début, quand ils sont venus en France, effectivement, on s'est fait carnage à chevaux. On s'est fait carnot, mais on a voulu. On s'est fait des fatwas, les gars. Alhamdoulilah. Hein. On s'est fait des fatwas, frère. Hier, j'ai mangé un poulet qui se ressemblait le plus. Parce que moi, je vis aussi au Maroc, donc je mange un peu des fois le KFC. Hier, j'ai mangé un poulet qui ressemblait énormément. C'est des frères à Pantin, je crois. Je ne sais plus c'est quoi leur nom de leur truc. Donc, chercher. Non, vraiment, tu sais, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, moi, en tant que chef, j'aime en parler. Et puis, même pour vous, si le KFC, ça te manque, et ben voilà, à Pantin, je ne sais plus c'est où. Berchis, c'est à Montlemcen, un restaurant en Algérie. Berchis, merci beaucoup. Berchis, les frérots, j'ai goûté hier leur poulet. Vraiment, c'est celui qui ressemble le plus au KFC. C'est génial, c'est magnifique, tu vois. Et vous êtes là de venir en Algérie. Donc, du coup, face à ces personnes qui nous parlent de soi-disant comme quoi on est des islamistes ou des séparatistes. Si je comprends, votre réponse, ce serait de répondre par la positivité. Mais viens, je t'invite autour d'un bon couscous. Ouais, c'est le plat préféré des Français. Merci. Un couscous merguez. Couscous merguez. Attention, en tant que Marocain, tu reconnais le couscous merguez? Non, c'est une innovation, c'est une hérésie. Voilà, non, c'est le meilleur, le couscous royal algérien. C'est pas mal, le couscous merguez. Avant ton intervention, j'ai deux petites questions à poser au chef Hassan. Chef Hassan, alors, la première question... C'est quelle est ta viande préférée? Halal, bien évidemment. Ouais, j'ai pas pensé à ça. Ça peut servir. Oui. Et deuxième question, quel plat tu maîtrises le plus? Tu cuisines, tiens, tu es quand même un chef cuisinier. Quel plat tu maîtrises le plus? L'eau bouillante, je sais pas cuisiner moi. Même pas des soupes. Même l'eau bouillante, je la rate. Le sobal. Le sopalin. La casserole, le sopalin. En alors, viande, moi. Ta viande préférée. Je vais pas te dire, j'ai pas de préférence. C'est des techniques de préparation.
Tu vois, je vais préférer une viande qui va cuire à basse température très longuement, ou bien en cocotte, ou bien au four, bien enfermée, qui va s'effilocher au final sur la viande rouge. Et peut-être une tangia, oui, une tangia, c'est à peu près le même concept qu'une viande à l'américaine, une brisquette ou quoi. Hein. C'est une viande qui cuit vraiment dans sa condensation et qui au final finit par s'effilocher. En volaille, je vais kiffer un suprême de volaille que je vais marquer en cuisson, que je vais cuire en 3 fois 6 minutes au four, qui sera vraiment, on dirait même du poisson, tu vois, au final. Oh, c'est des mathématiques, ça, déjà. Oui, c'est plus la technique que la partie. C'est plus la technique. Comme je vais aimer la langue de bœuf que ma mère faisait quand j'étais petit, tu vois. Derrière ça, c'est plus les techniques. Plus je vais aimer un ragoût. J'ai pas de préférence spéciale. D'accord. Pas de poulet. Mais je me suis rendu compte... Ouais. Si, la suprême de volaille, c'est ça. Suprême de volaille, c'est du poulet. On connaît tellement pas les termes techniques. Ouais, tu vois, suprême de volaille, c'est le blanc de poulet, en fait, qui est marqué en cuisson dans une matière grasse, qui est un peu salée, et qui est mis en cuisson 6 minutes au four, 6 minutes tu enlèves, tu laisses reposer. En fait, que les sucs et le jus traversent les tissus du muscle, c'est le repos. Je me fais baffer. C'est ça. Tu vois, c'est plus la technique. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens, ce qu'ils aiment le plus, c'est selon les vagues et les modes aussi. Mmh. Mais il y a des inconditionnels comme une viande, comme un ragoût, comme une viande cuite longuement, qui va vraiment être molle et filochée, qui va être sympa. Sur la volaille, en ce moment, il y a la grosse folie du poulet crispy, par exemple, qui est à la façon coréenne, etc., à l'asiatique. Il y a des périodes aussi, tu vois. Mais après, ce que j'aime bien, c'est la viande du couscous de Yemma. Voilà, c'est ce qui te revient toujours. Nos mères et nos grands-mères, indétrônable. Ouais, dans la main, il y a quelque chose. Parce que c'est ton identité, c'est ton identité culinaire. C'est ton identité culinaire. C'est ça, ouais. C'est ce qui t'est venu en premier dans tes cas du cerveau. C'est ce qui fait de la peine aux futures générations. Pour elle. C'est vrai qu'il va rester que. Non, mais pas de sexisme ici. Non, il ne dit pas les femmes ne savent plus cuisiner. Il va dire les pâtes de ma mère, elles sont trop bonnes. Ah, c'est vrai que les plats des mamans, c'est quelque chose. Après, voilà, c'est une culture. Tu sais, aujourd'hui, ce qui est magnifique dans le monde, et un peu, moi, je me rappelle un peu de notre enfance, comment on a grandi, quand il n'y a pas ces histoires de racisme ouvert. Et je parle de tout, hein, du racisme anti-black, du racisme anti-muslim, du racisme anti-juif, du racisme, tous ces trucs-là. Avant, on ne connaissait pas ça. Il y avait un melting pot, il y avait le voisin qui te ramenait son plat, ou qui savait, qui respectait ta culture. Il y avait toutes ces choses-là. Et c'est ça, la vraie richesse. Mais d'ailleurs, justement, je voulais te poser une question, peut-être un peu sensible, mais il n'y a pas un peu de sexisme chez les cuisiniers? Parce qu'on parle tous de nos mamans comme étant les meilleures cuisinières du monde, mais des chefs cuisiniers femmes... Professionnellement parlant, dans le domaine de l'art culinaire français, c'est très dur. Il a frappé fort. C'est une excellente question. Moi, je vais te parler en gastronomie française. Tu as d'énormes chefs, que ce soit Madame Pic, que ce soit des chefs vraiment à l'international qui se sont vraiment imposés en modèle féminin dans la gastronomie française. Et la France est reconnue dans le monde pour ça. Alors pourquoi ? Parce que c'est le pays qui fait les meilleurs plats en sauce. The sauce is the boss, comme ils disaient les Américains. La sauce, pourquoi on aime la cuisine française? Pourquoi on aime la cuisine marocaine? Pourquoi on aime... C'est la sauce. Pourquoi on aime le yassa? Pourquoi on aime... C'est la sauce, c'est l'accompagnement. C'est ça, c'est la gourmandise. La gourmandise. Après, sur ça, je pense qu'aussi... Ah, il faut faire un disclaimer avant la vidéo. Ne regardez pas cette vidéo pendant le ramadan. Oh, ouais. Ouais. Quand il parle, je suis en train de voir les images, tu vois. J'ai faim. Là, j'ai envie de manger un tiep. Et réalisé par des professionnels. Ne regardez pas la vidéo pendant le ramadan, c'est plein de malaise. Chez vous. Après, c'est vrai que moi, dans ma formation culinaire que j'ai fait au centre de formation de Villepinte, c'est vrai qu'on était plus de garçons en cuisine que de meufs. C'est quelque chose de physique. C'est quelque chose de quand même assez. Parce qu'il y a du sexisme. Je suis pas d'accord avec physique. Une femme, frère, physiquement, elle sait cuisiner, les femmes. Je respecte les femmes. Ouais, les femmes mais quand t'as une gamelle de je sais pas combien de litres à porter, on doit l'aider. Bah, tu as deux femmes. Tu vois, on doit l'aider. C'est vrai. Voilà. Physiquement, une femme, elle est plus patiente, elle est plus téméraire. Bien sûr. Mais attention, je t'ai pas dit ça, qu'elle avait moins. Après, c'est une réalité de capacité physique que moi, j'ai pu constater en tant que cuisinier. C'est pas du sexisme, c'est pas contre la femme. Au contraire, on doit prendre soin d'elle. Donc, les cuisiniers, quand vous voyez une femme qui a une certaine difficulté sur un effort physique ou une gamelle, on doit l'aider. Mais ça veut pas dire qu'une femme est moins forte en cuisine. Au contraire. Moi, je regardais, un jour, je regardais l'émission sur une plateforme de streaming, légale, bien sûr, où je voyais des femmes qui déchirent, mais dans le monde entier. Nos mamans, nos ratés dans les mariages maghrébins, c'est qui fait la cuisine?
C'est pas des hommes, il y en a. Mais en général, c'est des femmes qui font des ragouts et des plats en sauce et des shorba au lit. Donc non, bien sûr. Mais il y a une réalité sur certaines choses. Mais c'est pas contre la femme ou quoi. Hein. Attention, des femmes aujourd'hui, elles nous couchent. Hein. Elles t'en foutent une, voilà, elles sont plus techniques que nous. Mais bien sûr, dans la patience, dans même la rigorosité. Tu sais, moi, au Maghreb, par exemple, écoute ce que je veux dire. Moi, au Maghreb, je conseille plus d'embaucher des femmes en cuisine. Tu vois, désolé pour mes frérots, mais parce qu'on a une vague de fainéantise et de manque de personnel masculin au Maghreb qui fait que la femme est plus... strict et plus en qui tu peux faire plus confiance dans le délèguement de certaines tâches en cuisine. Tu vois, c'est ça par contre, ça je le mets en avant toujours. Tu vois, et c'est, on va dire, les plus fidèles dans leur poste et dans la durée, dans la brigade. Ok. Merci beaucoup, chef Hassan. Non, je pense que l'émission commence à toucher à sa fin. Ouais. Non ? Moi, je voulais rajouter quelques petits éléments. Ouais, avec plaisir. Ouais, peut-être pour finir. Un élément ? Quelques éléments. Allez-y. Je vous remercie, monsieur Karim. En fait, pour conclure, pour pas que les gens ont regardé la vidéo uniquement, entre guillemets, et qu'ils ont quelques petites bribes, mais qu'il y ait un réel call to action, moi, je suis un jeune musulman. Je commence à comprendre qu'il y a des enjeux économiques, qu'il y a des enjeux majeurs, que je dois prendre de la viande de qualité, etc. Comme a dit, il t'a posé une question, t'es rentré peut-être un peu trop dans le technique pour nous, de quelle est la meilleure viande et tout. Je suis un jeune musulman, je suis un père de famille, où je commence à avoir un petit peu d'argent, donc je commence à aller au magasin. Quels sont, sans porter de jugement, sans porter de valeur, et ça justement, l'idée, on va essayer de conclure avec ça en donnant aux gens le libre accès en commentaire de donner les sujets, les thématiques qu'ils voudraient qu'on aborde pour qu'on puisse les traiter par la suite. Mais quel conseil tu donnerais quand il va chez le boucher ou quand il veut acheter de la viande? Est-ce qu'il va en supermarché? Comment il fait? Qu'est-ce qu'il demande? Comment il peut reconnaître une bonne viande? Bah déjà, la première chose que tu as soulignée tout à l'heure, c'est de s'informer. Aujourd'hui, on a un panel d'informations, que ce soit via le net ou via la documentation, sur déjà la viande, qu'est-ce que c'est? Quelle est la meilleure partie? Pourquoi cette partie va coûter plus cher que l'autre? Déjà, de s'informer, de se documenter. Ensuite, c'est d'aller vers, pour le musulman, des produits certifiés. Tu vois, on connaît aujourd'hui les plus grands certificateurs, que ce soit AVS, que ce soit HADA, que ce soit HNT, il y a HAC, vous voyez, il y a plusieurs. Et aujourd'hui, c'est ça la force. Aujourd'hui, pourquoi j'ai rejoint l'aventure à l'origine? On reconnaît alors, où certains ne reconnaissent pas l'autre, nous on reconnaît parce que le but c'est de penser à la masse, à la communauté. Et là, mange certifié, mon frère. Ensuite, évite la VSM, évite les produits mauvais pour ta santé et achète, même si tu achètes moins, achète de qualité, mon frère. Donc je prends le temps de choisir, j'achète moins, mais j'achète de qualité. Et certifié. Ce qu'il faut retenir de la fourchette. Certifié d'une vraie certification qui respecte les rituels selon le Coran et la Sunna. Inch'Allah. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire, Inch'Allah, si vous avez des sujets, des thématiques. On va essayer de décortiquer la viande halal comme on décortiquerait un poulet dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, on va essayer de parler de tous les sujets, de l'abattage, des préparateurs, des vendeurs. On va essayer de vraiment d'aborder tout. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je vous laisse le mot de la fin, Inch'Allah. Si vous avez des commentaires. Mon frère Ali, est-ce que... Déjà, je vous remercie. Merci à tous pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je tenais à préciser quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on est devant le micro, parce que je sais que pour moi, le West West, ça peut toucher n'importe qui. Qu'on est meilleur que vous. Voilà, on dit des choses afin qu'il y ait une réflexion à la fois et qu'on puisse trouver des solutions à des problématiques. Et je remercie les frères aussi qui s'occupent de tout ce qui est caméra, etc. Qu'Allah vous récompense. Et au plaisir de vous revoir sur la chaîne de Jala TV. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup pour ce live. À très vite. Salam alaikum. Merci, salam alaikum l'équipe. Merci, chef Hassan. De rien, hein. Puis s'il y a eu des erreurs, merci de nous les stipuler. Moi, je suis pas, j'ai vraiment la personne à la science infuse. Et puis ceux qui veulent participer, marhaban bihom. Dans le respect, bien évidemment. Toujours le respect, voilà. Des fois, on n'est pas des gens. Je suis pas imam, moi, pour ma part. Donc, des fois, je peux dire des choses un peu, voilà, rigoler, rire. En tant que chef cuisinier, on connaît les cuisines, comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est un réel plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci de ta présence. On est très honorés. On espère que les prochaines vidéos seront du même acabit, du même niveau, voire mieux, Inch'Allah. Malak lafikoum. Ça va, c'est correct.